Et le mot vigilance, pour résumer, c'est toutes les actions menées dans la prise en charge en cas d'anémie, dans la transfusion sanguine, de l'accueil du malade jusqu'à la fin de la transfusion et même au-delà. Le mot vigilance, ça fait penser à la surveillance de la transfusion sanguine, les effets désirables recevoir, tout ce qui entoure la transfusion pour la bonne marche de la transfusion. La gestion même des produits sanguins posait vraiment problème. Leur traçabilité, la qualité même de la transfusion, de l'acte de transfusion même, tout cela posait problème. Il est bien vrai, nous organisons des formations à l'endroit soit de ceux qui produisent, à l'endroit des donneurs de sang, à l'endroit des utilisateurs de produits sanguins. On fait des projections, on lit, on explique, les gens posent des questions et ça s'arrête là. Donc, il n'y avait pas souvent un suivi post-formation. Mais avec la méthodologie que PAOC nous a amenée, il a d'abord fallu rédiger un certain nombre de documents, c'est-à-dire le manuel du formateur. C'était un peu difficile pour nous tout au début. Le manuel du participant, c'est-à-dire de l'apprenant. Donc nous avons rédigé ces deux documents. Et c'est à la suite donc de la rédaction de ces documents que les formations ont commencé. Nous avons appris comment on fait la production de PSL avec des formations pratiques. Et après, comment faire les distributions nominatives et la surveillance transfusionnelle avec la gestion des différents effets indésirables, receveurs et autant donneurs qui pourraient survenir tout au long de la production jusqu'à la cession. Avant la formation, on faisait la transfusion sans vraiment respecter la prise des constantes, tout ce qui a rapport avec la transfusion. Mais après cette formation, on respecte véritablement tout ce qu'on nous demande de faire. La prise des constantes avant, pendant et après la transfusion, la surveillance, le remplissage de la FDN, la fiche de distribution nominative. Avant même, on transfusait sans la fiche. Maintenant, on transfuse avec la fiche. On respecte tous les paramètres sur la fiche. D'abord, il y a des étapes très banales qu'on ignorait et qui, au cours de la formation, nous ont été données. Par exemple, l'identité du malade. On nous a encore appris comment remplir la fiche de surveillance qui est très capitale pour le suivi du malade au cours de la transfusion. Au moment d'établissement de la fiche de distribution nominative, il est obligatoire de remplir tous les casiers, sans exception, de signer tout en mettant votre nom et le cachet du service sur les trois feuillets. Ça, c'est capital. Avant, déjà un cachet sur le premier feuillet, ça suffisait, mais avec cette formation, personne n'ose s'arrêter au premier feuillet. Au niveau du prélèvement, on fait bien l'étiquetage du prélèvement. Le nom, le prénom, l'âge, le sexe de l'enfant. On met tout sur le tube à envoyer au laboratoire et le tube à garder au dispensaire pour le contrôle à faire. De façon pratique, ça m'a aussi permis de voir comment est-ce que le test de contrôle ultime au lit du malade se passait de façon concrète. Pas que nous ne maîtrisons pas la technique, mais le recueil, par exemple, de la goutte de sang de la poche du donneur ne se fait plus de la même façon. Quand bien même dans la production, le boudin n'a pas été formé, nous le faisons nous-mêmes, quitte à tester qu'une partie du PSL, et en cas d'incompatibilité, on peut retourner cette poche-là qui peut peut-être servir à quelqu'un d'autre. Avant, il suffisait simplement de piquer une tubulure, et quand il y a incompatibilité, c'est toute la poche qui n'est plus utilisée. Maintenant,
Sur la fiche de distribution, là, on respecte la date, l'heure du début et l'heure de fin, ce qu'on ne faisait pas. Quand on dit s'il y a d'incidents, là, on remplissait, on marquait des croix un peu partout. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On respecte chaque colonne. Avant l'acte transfusionnel, ce n'est pas toujours évident pour nous de revérifier l'identité du patient avant de commencer. Surtout en pédiatrie, le problème peut se passer rapidement et créer beaucoup d'incidents. Surtout nous sommes en pays musulman où le prénom de l'autre peut être le nom de l'autre. Et dès que vous prenez la poche du sang, vous allez directement poser le sang à la personne sans se rassurer que c'est ce nom-là. Donc au moment de poser l'acte, vous devez nécessairement revenir sur l'identité et comparer l'identité de l'enfant au dossier, à tous les documents de transfusion. Par rapport à la réalisation du test de contrôle ultime au lit du malade, qui s'est nettement amélioré chez certains, chez d'autres qui sont toujours en amélioration continue, en surveillant et en voyant avec eux comment ça se passe. La prise des constants aussi sur la fiche de la surveillance. On respecte la température, la tension artérielle chez les adultes, chez les enfants. On ne prend pas parce qu'on n'a pas de brassard pédiatrique. On regarde la coloration des urines, la respiration, le pouls. On prend tout aujourd'hui. Avant, on ne prenait pas. Si vous prenez nos dossiers transfusionnels, il y a tout qui figure sur le dossier transfusionnel aujourd'hui. Donc ça nous permet de savoir s'il y a une erreur quelque part, s'il y a des faits indésirables receveurs, ça nous permet en même temps de déceler. 15 minutes avant, après du moins, vous devez encore recontrôler tous ces paramètres. Et ensuite, toutes les 30 minutes jusqu'à la fin. Une heure de temps après, vous devez vérifier tout ça. Et même 2 heures de temps après, vous devez vérifier tout ça. L'autre chose, c'est que nous aussi médecins, je vous dis qu'au début, on se contentait de juste donner l'ordre. Mais quand l'infirmière ou l'infirmière est occupée, ça nous a permis de mettre la main à la pâte aussi, de voir de façon pratique comment est-ce que les poches se posent, comment est-ce que la surveillance se fait jusqu'à la fin. C'était quand même bien. Je pense que c'est une bonne expérience. Nous avons compris que 2 heures et même 3 heures après la transfusion, la surveillance continue. Et ça, de façon pratique, c'est une chose que nous avons acquise. C'est une chose que moi, je ne connaissais pas et que cela m'a permis de... ce renforcement m'a permis de connaître et de mettre en pratique. Actuellement, le matériel est disponible. Bon, je ne peux pas dire à 100%. Il arrive parfois que nous soyons en manque de papier Bistrol pour les tests. Et vous voyez, c'est aussi une pièce très capitale pour le test de compatibilité. Et parfois aussi, il faut aller chercher les fils de distribution à Djougou. Et sur le temps d'aller chercher, et les malades sont gérés d'une manière comme auparavant. Si vraiment on doit avoir une difficulté, c'est peut-être à notre niveau nous-mêmes. Comment faire pour briefer ou restituer régulièrement cette formation aux nouveaux agents qui viennent dans les services. C'est peut-être là où je pense qu'on pouvait encore mener un peu de réflexion. Au CSC Ouaké, on transfuse beaucoup. Les gens viennent un peu de partout. Même Ouassa, Peunko, Kouandé, Parakou, Tanguette, on reçoit tout au CSC Ouaké. Maintenant, on a besoin du matériel. À chaque fois qu'on veut prendre la température, parce qu'il s'agit des constantes, il faut prendre avant, pendant et après. S'il s'agit de la température, par exemple, on a un seul thermomètre, il faut chaque fois prendre secouer chez tous les malades. Pour prendre la respiration, pour prendre le pouls, il faut garder une montre en train de compter le coude. Si on pouvait avoir un appareil pour nous aider à prendre ça comme dans les grands centres, parce qu'aujourd'hui, on est déjà un grand centre. Si on peut nous trouver un appareil pour nous aider à prendre les constantes chez tous les malades, ça va vraiment nous aider. On est serein et on sait que, quelle que soit la situation, vu que nous avons reçu déjà beaucoup de renforcements grâce à Enabel,
Nous sommes sereins et nous savons que nous saurons gérer les différentes situations. Je donne 18 à PAOC. 18 à PAOC. Alors, c'est des insuffisances que nous traînons depuis des temps et que PAOC est venu relever. Et je crois que je ne dirai pas que nous avons maltraité, mal pris nos patients avant PAOC, mais c'est que PAOC nous a amené à renforcer nos capacités et à mieux prendre en charge aujourd'hui nos malades en cas d'anémie, de transfusion. Si je dois noter, je vais donner 19. 19, parce que c'est une très bonne formation. Ça a amélioré nos habitudes sur le terrain. On ne fait plus de ce qu'il ne faut pas faire. On respecte tout aujourd'hui. Je donnerai une note d'excellence. Parce que aujourd'hui, n'importe qui à qui on confie une transfusion, un agent qualifié, c'est devenu comme une intervention du bloc opératoire. On entoure tous les soins possibles. Rien ne se fait plus au hasard. Quand vous voyez même la qualité des tests de contrôle, vous-même, vous direz que voilà, c'est fait de façon beaucoup plus professionnelle. Ce n'est plus comme avant. Je reconnais en tant que praticien que ce n'est pas facile pour nous de reconnaître parfois qu'on ne sait pas. Mais la formation a su trouver les moyens et la communication a pu aller dans un certain sens pour nous faire comprendre qu'il y a des choses que nous ne maîtrisions pas sans que nous ne puissions nous en offusquer. Et la formation enfin a permis donc, en découvrant nos tares, nous a permis de les améliorer. Et c'est simplement waouh, il faut le dire, parce qu'on peut être conscient quand même que l'on a des tares et refuser si la manière dont on vous le dit n'est pas la bonne. Et tout au long du processus, je n'ai, à mon avis, je n'ai à aucun moment vu un des formateurs tenir un langage qui pourrait blesser la sensibilité des uns et des autres. Tout s'est passé dans une bonne convivialité et c'est de fins pédagogues, c'est le moment donc de les remercier. Je pense que, au vu de tout cela, de façon subjective par rapport à moi, s'il fallait donner une note, je donnerais 18. Moi, je vais donner 17 sur 20. Alors, les raisons, c'est que c'est nous qui sommes sur le terrain et nous avons constaté une nette amélioration de la pratique transfusionnelle. Mais ce qui n'a pas marché, c'est la formation des donneurs de sang. Il est bien vrai que dans le temps, ce pack a été transformé en production de support graphique et audiovisuel, qui est une très bonne chose. Mais nous aurions souhaité que les donneurs, puisqu'on a commencé le pack avec eux, mais cela n'a pas abouti.